Bonjour. Bonjour et bonne nouvelle année. C'est ma première vidéo cette année-ci et je voudrais te présenter les smoothies, les vibro swings. Si tu ne les connais pas encore, voici la vidéo à regarder et à écouter. Ça ne va pas prendre trop longtemps. Je vais te faire un résumé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ces anneaux magiques, ces anneaux qui te font bouger, notamment leur histoire, leur inventeur, etc. Mais ça, tu vas pouvoir lire sur mon site web. Aujourd'hui, je voudrais vraiment parler d'une manière super pratique pour te montrer ce que tu peux apprendre et à quoi ils servent et pourquoi toi, tu vas en profiter. Alors, les vibro swings, les voilà. Et tu entends très probablement là le bruit. Eh bien, dommage que tu n'es pas ici pour les tenir en main. Parce que dans ces anneaux, tu en as deux. Ici dedans, tu vois, est-ce que tu vois, ce sont des anneaux qui sont annelés. Ces rainures qui sont dans ces anneaux ont été étudiées pour créer une certaine fréquence de vibration. Dans les anneaux, tu as 4 billes de métal. Ces 4 billes de métal, dès que tu bouges, en mouvement de swing, vont rouler évidemment sur ces rainures. Et ça, ça crée des vibrations que, puisque tu les tiens dans tes mains, qui vont d'abord masser les zones réflexes dans ta main et à travers ton corps vont se répercuter dans ton corps. Et ça a comme effet assez rapidement de relâcher les tensions, aussi d'augmenter le taux vibratoire. J'adore travailler avec ces anneaux, évidemment parce que moi je donne des cours pour connecter les femmes au féminin sacré et le taux vibratoire est super important. Mais donc pour toi, si toi tu veux te mettre juste en forme et tu veux commencer à bouger avec, avec beaucoup de plaisir en fait, on travaille avec les smoothies, avec la musique et on fait des mouvements de swing. Donc on peut aussi bien travailler juste sur le fait de faire des mouvements, de se mettre en mouvement avec joie et aussi se renforcer les muscles. Ces smoothies ne pèsent pas lourd, pèsent 500 grammes chacun. Mais comme il y a 4 billes dedans, si tu fais des mouvements assez dynamiques, ce poids il est dynamique aussi. Ouais. Donc ça, il faut l'expérimenter. Et la magie de ces smoothies à part ces vibrations consiste aussi dans deux autres choses. Les deux autres choses, c'est que tu as un outil dans ta main droite, un outil dans ta main gauche. Donc tu peux voir avec le retour du bruit que font ces billes dans les anneaux, tu peux voir si droite et gauche sont équilibrées. Et tu peux aussi sentir très facilement si là, ton côté droit et ton côté gauche sont relâchés de la même manière ou fort de la même manière. Donc vraiment cette histoire d'équilibre, il est tout de suite même, tu as un retour audible. C'est absolument génial. Je ne connais aucun autre outil qui te donne ça. Aussi cette histoire du poids dynamique. Souvent on travaille avec des poids, mais ici c'est un poids dynamique. Donc si tu fais des choses qui sont simplement comme un swing ici, tu vois? Alors, ça ne fait que relaxer. Ici, tu fais presque pas d'effort. Ça dépend évidemment où tu en es avec ta mise en forme. Ouais? Donc ici, tu entends le bruit que font les smoothies. Si maintenant, je fais en alterné, donc là, je te montre les mouvements de base. Hein. Si tu fais en alterné, tu te rends très bien compte si la gauche et la droite sont en équilibre. Donc il est évident qu'avec les smoothies, on va pouvoir faire des choses différentes à gauche et à droite. Et de cette manière-là, exercer notre coordination et travailler les deux hémisphères. Petite parenthèse, c'est que ces smoothies ont été inventés par un monsieur qui était champion de tennis et qui avait donc l'habitude de tenir quelque chose, enfin une raquette en main et de fonctionner toujours avec ça et qui avait qui a toujours la maladie de Parkinson, mais ça a été déclaré il y a 20 ans. Et donc il a inventé ça, c'est une très longue histoire, mais ce monsieur il est toujours actif, il donne des cours de smoothie et la Parkinson qu'il avait, bah, ça ne l'a pas cloué dans une chaise roulante. Il peut encore faire des promenades et tout. Donc je t'invite à aller regarder sur ma page Facebook www.shandora.life/swingandsmooth de regarder la vidéo de ce monsieur. C'est extraordinaire et ça donne un grand espoir à toutes les personnes qui ont la Parkinson.
Bien sûr, avec la condition de bouger et de s'entraîner. Hein. On n'a jamais rien pour rien. Donc ici, qu'est-ce que je vais te montrer? Donc, les vibrations, c'est quand on les tient en main, on sent vraiment ça tout de suite, ça traverse le corps. Je vais te montrer un mouvement de coordination qu'on fait qui n'est pas si évident pour tout de suite pour tout le monde. Donc, par exemple, le plus simple, je dirais, tu vas faire un mouvement vertical ici et un mouvement horizontal là. OK? Et après, tu mets les deux ensemble. Voilà, ce n'est pas déjà évident pour tout le monde ça. Et évidemment, tu peux ici faire dans l'autre sens. Voilà, je ne voudrais pas faire trop long aujourd'hui. Viens au cours, viens tester. Le premier cours d'essai est toujours gratuit et tu peux venir ici au cours le lundi à 12h45. C'est un cours de 3 quarts d'heure, 15 rue Philippe Lebon. Et extraordinaire, je te invite à tester ça et venir vraiment swinger avec nous. On danse, on fait des petites chorégraphies, pas tout de suite, mais avec l'évolution du groupe, c'est ça qu'on va faire et on s'amuse vraiment beaucoup. Voilà, il y a un autre cours le mardi à midi, mais il est complètement plein. C'est pour ça que j'ai rajouté le lundi. Donc viens, inscris-toi. Je vais mettre tous les liens ici sur cette vidéo et je me réjouis beaucoup de te voir dans les cours. Bye bye et bon après-midi.